Et lui les gens, bienvenue sur frappstage.fr ou sur mon blog it603.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu du coup. Eh ben, Powerwash Simulator, encore. On fait le manoir parce que le maire nous a appelé, nous a dit « Ah, il y a un problème avec mon manoir et tout. » Et du coup, ben voilà, il va falloir qu'on aille nettoyer le manoir. On verra ce qu'il va donner. Et du coup, voilà, par rapport à Sivent, comme il dirait l'autre, bleu, bleu, les chocottes. Tu vois ? Missa chocotte bleue. De Stray, mais quelle idée de faire des speedruns. Oh là là. N'est-ce pas, c'est une mauvaise façon d'apprécier les jeux vidéo que de faire des speedruns. Attends, pourquoi j'ai... Non, mais c'est le truc du level up. Alors, comment est-ce que je vais en fond ? C'est Space Kirou. Voilà. Et donc, le maire Jeff Jefferson, 13, nous appelle. Et non, mais 350$, c'est ridicule, parce que je pense qu'il va falloir nettoyer. Regardez, il y a même le truc au plafond, là-haut. Au plafond, sur le toit. Non. Tout a été bâclé, là. Donc, le maire nous appelle et nous dit, c'est manoir Jefferson, Jefferson Avenue. Chasseur de tâches, quelqu'un qui avait manifestement du temps et des œufs à perdre a jugé drôle de bombarder ma splendide demeure. Ne me demandez pas pourquoi, je suis le maire le plus juste, le plus noble que cette ville ait jamais eu. Comme vous le comprendrez certainement, la sécurité est primordiale en ce moment. Je crains donc de ne pouvoir vous autoriser à entrer dans ma propriété. En compensation, je vous offre un coupon pour une extension extra longue pour votre nettoyeuse. Il est valable sur le modèle le moins cher. Je ne roule pas sur l'or. Une dernière chose, il se peut qu'il y ait quelques graffitis sur les portes. Je vous prierai de les nettoyer. Aussi, tant que vous y serez, je vous remercie. JJ13. Voilà. Et donc, comme on dit, un sou est un sou. Commencez la mission. C'est vrai, ça ? Ouais, non, c'est un peu différent. Ah ouais ! Et puis j'imagine que c'est pas le truc qui... Ah si, ça va partir assez facilement. Est-ce qu'on voit le volcan au loin ? Ah, par contre, sa maison, à lui, elle était propre, hein. Ma foi, ça allait plutôt vite là, allez hop! Oula, il y avait un ralentissement là. Je sais pas d'où ça sort. Mais du coup, ouais, je suis bien stressé. Et c'est pour ça que je bloque sur des jeux comme ça. Parce que ça m'évite de penser trop. La di da don, on da di da di, oh do, la di da di da di, oh do, da da, da 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 da. Vous platinez le jeu, d'accord. Bande de mazos, les patineurs de jeu, là. Racaille, non, mais à ce stade, c'est plus des gosses que des racailles, hein. Que des racailles auraient en plus vandalisé, sûrement. Mais... Mais c'est qu'il est à peine 1h18, monsieur. Votre entraînement pour les top 2 s'arrête bien trop tôt. En plus, faut que je change de chaîne maintenant. Alors attends, c'est que j'ouvre. Eh, hey, je me vois. Il y a du monde par ici, là. Oh, c'est beau, ça. Et donc, bienvenue parmi nous.
Attends, j'ai Tagnar, j'avais dit bonjour, j'avais dit bonjour. Lexi aussi, Lovaches, Sebolt, Kataro, Kitschacha, c'est bon, Kadarek, c'est bon. Et donc, salut Brésion, salut Magic Luck, salut Linky, salut Zazulek, salut Ryu, Ria, Ria, salut Joker, salut Vekatlou. Et salut, Convex. J'ai besoin de cut un peu plus tôt. Oh, mais. Qu'est-ce que c'est que ces périodes là où les gens sont fatigués? Je propose qu'on supprime la fatigue. Elle sera désormais interdite par la loi. Toute personne fatiguée devra livrer sa fatigue aux autorités. Les autorités se chargeront de récupérer la fatigue afin de pouvoir la stocker pour les gens qui sont insomniaques. Voilà. Votez pour moi. Oh non, pas cette map. Pourquoi elle est horrible? Salut, Sazam! Ça a l'air d'aller assez vite en fait. Pour l'instant. Après, peut-être que j'ai parlé trop vite. Écoutez ce merveilleux son. Et le schlink. Nous avons tous besoin du schlink dans notre vie. Par contre, les barreaux, c'est vrai que c'est chiant. Alors, le schlink, chose magnifique. Donc, bienvenue à tous. On est en train de jouer à Power Wash Simulator, comme vous pouvez le voir. Power Wash Simulator, qui est encore un de ces jeux simulator, on comprend pas pourquoi ça fonctionne, mais ça fonctionne. Un nombre incalculable 2, n'est-ce pas? Ouais, et de petits tags, hein. Moi, ce que je propose, c'est que jamais vu une attaque 2 aussi intense. Monsieur, ce que je propose, c'est que vous me donniez un salaire plus élevé et je ferai plus qu'enlever les œufs. Je vous laverai aussi. Et au Karcher, c'est efficace de laver un être humain. Ne faites pas ça chez vous, c'est dangereux. Laissez faire les professionnels. On a déjà fait 25%. Et ça va bien, merci. Du coup, repose-toi bien, Colo, et encore merci pour le raid. Et du coup, oui, parce que là. D'ailleurs, j'ai pas encore attrapé la nuit du Resident Evil 8 si t'en avais fait. Parce que je suis arrivé devant mon PC, t'étais déjà sur autre chose si t'as fait du Resident Evil 8. Du coup, j'ai rien vu cette fois-ci. Monsieur qui offre des subs pendant qu'on démarre les streams, hein? Espèce de merci. Ah, c'est encore ça là-haut. Voilà! Le schlink. Pour enlever les pots tout court, ça fonctionne. Apparemment. Le thé. Ah bah voilà, bah c'est bon, j'ai rien à rattraper alors. Moi quand je suis arrivé, j'ai pas vu de RE sur la chaîne ce mardi. Et du coup je me suis dit, bon bah il est déjà passé à autre chose, tant pis. J'ai raté. Je crois que je suis pas arrivé devant le PC avant minuit et quelques. Réseau Express, comment ça Réseau Express? Du coup maintenant j'ai l'Ave Maria en tête et je sais d'où est-ce qu'il vient cet Ave Maria. Il vient de Batman qu'on a toujours pas fini de regarder avec ma chérie.
Voilà, c'est bien ce que je me disais, que c'était pas encore propre partout, là. Bon, par contre, tu fais comment, là? Ça s'ouvre, ça? Bah... Comment ils veulent que je nettoie si je peux pas rentrer? Va falloir que je nettoie de loin? Ça va être ça la technique? S'il avait dit qu'il ne pouvait pas nous laisser rentrer dans la splendide demeure du maire, mais enfin sa demeure à lui quoi. Mais du coup, même pas dans le jardin pour qu'on puisse nettoyer ce qu'on doit nettoyer quoi. Ah non, on s'enlève que dalle et ça? Non, on va descendre d'un cran, voilà. Moi je sais que comme ça le G est puissant. Apparemment, non, j'en vois pas d'échelle là. Comment on va utiliser ses ressources? Bienvenue. Notre premier cours portera sur le fait d'utiliser trop d'eau pour nettoyer. Mais c'est la maison du maire. Si la maison du maire a besoin d'eau, nous utiliserons de l'eau. Gigi l'amoroso. N'empêche, faut le mettre dans mon CV. À nettoyer la maison du maire. Et tout le monde me détestera. Alors je dirais aux gens de recommencer, ça me fait du boulot, ils me payent. Et moi après, faut qu'ils me payent de plus en plus cher. Et je reverse l'argent à tous les gens qui jettent. Un travail de bons procédés. Un échange de bons procédés, pardon. Pour l'instant, pas extra, hein. Mince. Pardon. Il reste tant de saleté que ça? Bah... C'est pas encore propre, qu'est-ce qu'il y a? Ah, voilà. Et vous écoutez Nostalgie. Il passe du Ave Maria sur Nostalgie? Sérieux? Alors viens faire toi-même le mélange des couleurs. Cabane au fond du jardin. Moi j'y vais quand j'ai besoin. C'est un charmant petit trou, tout entouré de cailloux. Et y a les mouches qui bourdonnent. Et les abeilles qui fredonnent. Et y a pas de tout à l'égout. Alors on fait sur les cailloux. Mais c'est un charmant petit coin. Badabadam. Badabadam, la cabane au fond du jardin.
Alors, je fais pas très bien l'accent du monsieur, mais bon. Oh, le Schlink. Le Schlink, c'est chic. Da-da-di-da-di-dum. Da-da-dum. Donc fallait vraiment que je nettoie comme ça, ok. Mais je peux pas là. Ça va pas assez loin. Attends, attends. Extension longue. Comment je fais pour la choisir? Pratique le maire. Hein. Il veut pas sortir qu'on vise un peu la tête là? Bon, d'accord, on y voit pas grand chose. Hein. C'était quoi du coup l'essentiel? Et puis on trouvera une solution, Kadarek. On trouvera une solution. Mais c'est trop nul, il n'y a même pas de schlink. Ils sont où les schlink? Ah, ben voilà un de schlink. Attends, faut voir s'il n'y a pas d'autres trucs dégueulasses dans ce coin-là. Pas plus rien par là. Non, parce que nous on veut du schlink, du vrai. Ah. C'est avec ça qu'il fallait tirer sur les chattes là. Voilà. C'est bien ça. Bon, je suis pas forcément très bien placé pour voir les saletés. J'avais mal fait mon boulot. Une honte ça.
Mais détestable, n'empêche, le maire, là. Hein. M'obliger à nettoyer ça dans ces conditions-là. Ça donne pas envie de l'aider, hein. Viser entre les barreaux, quoi. Quelle honte. Oui, non, mais ça, c'est normal. C'est l'hôtel de ville. Enfin, ça deviendra l'hôtel de ville. Nora Strong fait le maire. Qu'est-ce que c'est long et pas pratique de faire comme ça? Veux-tu faire du travail efficace dans ces conditions? C'est tout simplement pas possible. Nous demandons plus de respect envers la communauté des nettoyeurs. Écoutez, Zer. Et ça ressemble à quoi du coup? Il y en a une quoi, je connais pas du tout. Oh oui. Et c'est juste pour réussir à viser correctement. Qui avait perdu son chat là. C'est le maire Jefferson qui a perdu son chat. Il crie par la fenêtre à qui le lui rendra. Et c'est les petits pompiers qui ne l'ont pas trouvé. Propre. Et dessiner la main en 2D du coup, mais au lieu d'avoir des attaques, défense, tu as des cartes. Ouh. Est-ce que si on pouvait rien noter là? Et donc, salut Antonin Bridibridi aussi. Je dis bonjour ou pas. Et donc, ça carchérise. J'aime quand c'est propre. Alors, j'ai commencé à porter des chinos. C'est quoi le rapport entre des chinos et... je sais même pas ce que c'est des chinos. Porter des chinos. C'est quoi des chinos? Je m'attendais à pire quand même pour le nettoyage. La deux animations. Ah bah c'est le but.
c'est qu'il vous soit utile. Je suis sûr que d'ici peu, on trouvera une solution pour vous en dépenser encore plus. C'est bon là? Ouais. C'est décidé. Rendez-moi donc mon chat, vous aurez un baiser. Mais le palus, tu crus qu'il n'en a pas voulu. Là, c'est quoi la morale de la mère Michel? Ah, ça gratte. Aha! Quand tu apprendras à communiquer avec respect. Y'a pas de mal à veille. Tac, 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 tac. Michel retrouve son chat, mais le perlu sucré, il a pas voulu lui redonner. Et salut, Jim Vador. Ah, ça, c'est propre. Ça, c'est bon. Viens de penser, il n'y a pas tant de jeux que ça qui gèrent les crédits bancaires, à part Animal Crossing. Alors là, je t'avoue que tu me poserais une colle, je sais pas. Parce qu'en fait, tous les jeux de gestion, si. Tous les jeux comme Theme Hospital, Two Point Hospital, etc. Tous les jeux d'argent, en fait, tu peux demander des crédits. À la banque. Dans la quasi-totalité des jeux de gestion, en fait, même. À moins que tu voulais parler d'autre chose en particulier. J'ai tellement hâte du nouveau jeu Disney là, du Animal Crossing Disney. Là, celui-ci, je ne se dis pas celui-là, parce que vous savez que j'aime beaucoup Disney, donc je suis un peu le pigeon parfait quoi. Alors attends, j'ai pas noté le nom du jeu que tu conseillais. Prends le jeu. Guardian Quest. Pris ici. Voilà. Non, je ne mettrai pas. Je pense pas à une musique préférée. Tu veux. En général, j'aurais tendance à dire que les musiques préférées, en fait, c'est temporaire. J'ai même à dire que quelqu'un aurait une musique préférée, quoi. Et les musiques, tu peux être dingue à un moment précis, mais en être dingue toute ta vie, ça me paraîtrait.
basse du mur. Il y a une colonne qui serait pas propre là. Ah, celle-ci est pas propre. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils appellent la base du mur? On va aller voir, est-ce que 60% de base de mur? Ah, c'est ça. Ah, mais ça, c'est bon, ça. Et attention aux nouvelles cartes terminées. Pouah, 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 pouah. Gagner 100 étoiles en mode carrière. Pouah, 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 pouah. C'est qui le patron, là? Hein? 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 Et... Puisque je ne te faisais pas, en général, moi j'évite de faire des crédits dans le genre de jeu. Parce que, à part si vraiment j'ai l'impression d'être sur un bon chemin et que ça va remonter, ce qui est assez rare... ouais, j'ai le Game Pass, je l'ai sur le Game Pass, le jeu. Bah, j'allais pas acheter ça, quand même. C'est vrai qu'il est fou. Mais non, je... Donc, je vous ai déjà dit, hein, si je dois acheter mes jeux, j'évite de les dépenser. Les jeux, c'est pas ma priorité, j'en ai déjà plein. Si jamais il y a des jeux que j'ai envie, soit je ferai peut-être quelques exceptions, tu vois, pour Hogwarts Legacy. Si Hogwarts Legacy, j'arrive pas à le choper gratos, j'irai le payer. Mais sinon, j'ai beaucoup trop de jeux, autant que je termine, tu vois, les jeux que j'ai déjà, et que je possède déjà, les jeux que vous m'avez offert, plutôt que acheter un nouveau jeu, quoi, c'est idiot. Et ah bah oui, quand même. Et on est dans tout ça. Et voilà, tout propre. Allez, moi ça un peu comme le travail est bien fait. Ça, c'est du professionnalisme, mesdames et messieurs. Troisième fois. Insupportable, tu veux dire que c'est intolérable peut-être. Ah mais c'est ultra satisfaisant ce jeu. Et là le souci. Pour moi il manque plein de choses. Hein. C'est-à-dire s'il n'y avait pas le petit schling et tout, ça réveille le truc de la récompense, c'est comme on appelle ça dans le crâne. C'est-à-dire que il y a une petite récompense, ça fait oh je suis bien là. Et faudrait que j'essaierai après moi le jeu de tondeuse. Voilà, donc voyons voir un peu les messages. Oh, attends, c'est pas ça que je voulais faire. Chasse en otage, j'ai besoin de votre aide au manoir de toute urgence. Un nombre incalculable, n'est-ce pas? Le gouverneur Steven m'a assuré qu'il n'avait jamais vu une attaque à l'œuf aussi intense. Il y en a plus de 100 lancés sur une période de 15 minutes. Quelle grande variété de ton dans les jeunes. D'un ocre riche à un jaune presque citron. Quelle vue envoûtante en contraste avec le blanc pur de mes piliers d'albâtre. Je suis sûr que vous savez que mon pauvre chat Ulysse est toujours porté disparu. Nous sommes tous morts d'inquiétude. Apparemment, d'autres villages habitants de la ville ont également signalé la disparition de leur chat. C'était la même chose quand j'ai commencé à porter des chinos. Merci beaucoup pour votre travail, chasseur de tâches. Et voilà qui ressemble plus au genre de magnifique manoir dans lequel on conclut des accords valant des millions, n'est-ce pas? Je vous remercie. JJ13. Maintenant, il faut nettoyer un carrousel. On attaque le carrousel? Pas. Ouais, non, mais c'est addictif, le bruit. Et donc, coucou Foxy Sport. Si t'avais pas dit bonjour correctement, je crois. Eh ben, oui. On avait un truc spécial, hein, je suis coupable. Avec 500, ça veut dire qu'une fois qu'on termine ce truc-là, on pourra récupérer le truc ici. Mais quel enfer! Mais qu'allait-il faire dans cette galère? Bon, toi, continue à faire ton succès là, hein? Oh! Tu fais bien se tirer. Voilà pour la couper la rediffusion. Donc j'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Pensez positif et à tout de suite. Je reviens. Prenez soin de vous. Kling addictif, tu crois vraiment? À tout de suite. Pam 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 p